Butchou et Casco sont au rendez-vous. Ce sont bien nos quatre énergumènes. Butchou, Casco, Jojo, la feu, Achille, le capitaine. Ah! C'est l'heure de l'aventure, c'est moi. Profitez-en pendant que ça dure, c'est notre instant de joie. Nous allons retrouver nos amis, mais avant tout, partout, surtout et tout et tout. N'attendez que l'autre et le nerveux, le serpent à sonnette. Car tout va tenir la fenêtre à la grâce de Bob Flambette. Arrachez tout pour vos salut. Vous jouez qu'à tout pour vous faire vivre la rue. Et Bob Flambette et vous. Le notebook sous va passer à l'histoire. L'invention du volicoptère a couronné sa gloire. Tirons la corde, vite envolons-nous. Avec Butchou, avec Casse-Cou, et Bob Clampett et vous. Le vol du volicoptère. Hé, hey, Casse-Cou, viens vite voir, j'ai reçu une lettre de Washington. Un sérieux George t'envoie des nouvelles? Oh, Casse-Cou, George Washington est mort depuis bientôt 200 ans. Alors ce sont ses mémoires d'outre-tombe? Assez plaisanté, donne un bout de chou. Mon très cher bout de chou, votre invention a retenu toute notre attention. Nous aimerions assister à une démonstration du volicoptère dès que possible à Washington. Si la démonstration est concluante, nous vous offrirons un trillion de dollars, service compris. Et c'est signé Général Jackpot, petit-fils et fils de général en retraite, bien qu'en fait, il n'y ait pas de quoi s'en vanter. Ciel, tu te rends compte, Butchou? Un trillion de dollars. C'est moi, Jojo l'affreux. Je vais m'emparer de cette invention et en un rien de temps, je deviendrai riche, riche, riche. Je vais vous montrer. J'y travaille en secret depuis quelques mois. Une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Eh, c'est ultra secret, alors apprenez tout et mettez votre chapeau par-dessus. Le chapeau de bout de chou suffira. Voici mon hélicoptère ligne intérieure et moyen courrier, mon hélicoptère à hélice boomerang, mon hélicoptère à scie circulaire et mon hélicoptère long courrier. Dis donc, bout de chou, si je comprends bien, ça te permet de voler? Évidemment, Casse-Cou, mais il y a un détail très important. Il faut toujours décoller du sol, jamais d'un endroit surélevé, pas même une chaise. Il faut avoir les deux pieds au sol, ensuite il suffit de tirer sur la corde. Regardez, capitaine, il décolle. Ah, c'est formidable, il vole comme un oiseau. Ben oui, ou comme un véritable papillon de nuit. Il faudrait le peindre en blanc. Youpi! Youpi! Yeah! Youpi! C'est vraiment une invention formidable, mon petit. Corlet le corbeau n'a plus à s'inscrire au chômage. J'arriverai le premier à Washington, je livrerai le volicoptère au général et je toucherai le gros, gros, gros lot. C'est le jour Gigi! Gigi comme Jojo! Commencez à compter les billets, j'arrive! Trop de sel pour moi. Quoi qu'il en soit, ça s'appelle être dans la panade. On n'a plus les missionnaires qu'on avait, hein? Plus question de se mouiller. Passons inaperçus, comme un centenaire à l'Académie française. Rien ne pourra me retenir. Et c'est parti.
on n'abandonne jamais. L'affaire est dans le sac. Regardez, c'est Jojo l'affreux. Il a un volicoptère, lui aussi. Il a un volicoptère. Un volicoptère. Touche pas à ça, Jojo, espèce d'affreux personnage. Salut les copains. Fonce, casse-cou, fonce. Je fais ce que je fais, capitaine. Tu passes le mur du poisson. Oh, regardez, capitaine, c'est le Capitole là-bas. Oh, yeah. J'ai réussi. Jojo l'affreux franchit toujours les obstacles. Hé, hey, Gaston, viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a, Philibert? Je viens d'accrocher un objet voleur non identifié sur l'écran radar. Qu'est-ce qu'on fait, Gaston? Il faut agir avant le lancement du missile, Philibert. Mais attention, attention! Le personnel militaire est prié de quitter la zone de lancement au plus vite. Et même plus vite que ça! La famille Seal au grand complet. Une belle famille d'Américains moyens qui ne cherche pas à comprendre. C'est un feu d'artifice par ici. Mais ce n'est pas le moment de s'amuser, vous, là-bas. Et Butchou est arrivé à Washington où on lui a remis son trillion de dollars. Nous volons tous grâce au volicoptère. Ciel, un trillion de dollars, ça vaut mieux que rien, quoi qu'avec l'inflation. Hé, hey, regardez-moi, je vole, je vole, je vole. Bon, et alors? Cette fois, c'est sérieux, nous ne plaisantons pas. Nous partons chasser l'ennemi du nom de Buretta. Venez voir comme dans notre tête, Buretta cherche des poux. Avec Bouchou, avec Casse-cou, et Bob Clampett.